À quelques semaines des élections municipales en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo et son mouvement des générations capables sont plus que jamais en ordre de bataille. Le MGC a présenté 29 candidats, dont 5 pour les élections régionales. Dans certaines communes comme celle de Cocody et Yopougon, la formation de l'ex-première dame a tissé des alliances avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire du regretté Henri Conan-Bédier. Un choix stratégique pour son jeune parti, selon la dame de 74 ans. Le MGC, tout cela à cette élection-ci n'aurait pas fait bonne figure. Donc ça, il faut être raisonnable. Maintenant, une fois que cela a été décidé, pourquoi Jean-Marc Yassé? Parce qu'il y avait d'autres candidats. La première chose, nous avons regardé qui le PDCI positionnait comme tête de liste. Voilà. Et ici, à Cocody, le PDCI a choisi Jean-Marc Yassé, qui est lui-même un maire sortant. Bon. Maintenant, en dehors de cela, il n'y a que M. Jean-Marc Yassé est une personnalité avec qui nous avons de très bonnes relations. Pendant des années, sous les couleurs du Front populaire ivoirien dont elle était membre fondateur, Simone Gbagbo a appelé au boycott des élections, estimant que les conditions de transparence n'étaient pas réunies. Cette fois, elle appelle les Ivoiriens à voter massivement. Je souhaite que les Ivoiriens sortent en grand nombre pour voter. Pendant quelques années, nous-mêmes, nous y avons contribué en tant que FPI, hein. Avec la crise que nous avons connue, nous avons lancé comme message à nos militants, à nos électeurs, de ne pas aller voter. Alors je souhaite que pour ces élections-ci, là, ils sortent en grand nombre pour aller voter. Le mouvement des générations capables envisage d'accroître son influence dans le pays. Simone Gbagbo entend placer des candidats à toutes les élections, dont la présidentielle de 2025.